Bonjour, aujourd'hui ça peut plus durer, pour être frais et bien formé, il faut te savoir claquer 5 millions de dollars par... voilà. Donc évidemment nous avions donc Huayura BC, Huayura BC Roadster, je suis pas sûr que ce soit une BC la première, une Huayura Roadster, McLaren Le Sabre, et une Huayura, de nouveau une Roadster ça non? Ça m'a l'air, ouais. Voilà, et puis le clagé qui est tous là-bas, regarde, il est là. Tu le vois là, la porte ouverte? Bon voilà, direction, on va aller à Pismo Beach rejoindre des amis pour faire la route. Et puis à partir de là, nous irons à Monterey où commence Car Week demain, les enfants. Oui, oui, on va les revoir, hein, c'est tous des copains, mais on dit pas. C'est tous des copains. Ouais, c'est une BC aussi, ça, je crois. Je suis pas sûr, tiens. Je crois que c'est une normale avec un pack Tempesta. Me demande pas ce que c'est ce machin, hein. Ne me demande pas dans les commentaires, je ne sais pas. Mais c'est sûrement un véhicule contemplatif électrique de Réac. Mais bon, je ne peux pas le filmer parce que moi, malheureusement, je vais prendre la 101, les enfants. La 101 et puis la 1. Bisous. Et nous voilà donc dans le trafic de Los Angeles. Un classique moche. Hashtag joie. Et nous voici donc arrivés au premier stop à Pismo Beach, où nous avons un nouveau camarade ici dans une vieille Ferrari où je n'y connais rien du tout. Nous avons ici Matthew en 275 GTB4, ma bêche. Et nous avons Drew quelque part là-bas avec Sartre Boes qui n'est pas encore là. Hein. Ça, c'est quand même une des plus belles jamais faites. Ça en décapotable, mon vieux, c'est ici tout dur pour moi. Bon, mais j'ai envie de dire, on est en partance. Voilà, on est let's go. Tu t'arrêterais rapide, mais on est parti. Voilà, moi je suis pieds nus, parce que je roule toujours pieds nus. Nous sommes sur la 1, comme tu peux le constater par ce petit panneau ici, qui est la route la plus connue de Californie, qui est celle qui longe l'océan non-stop, avec Drew dans sa Turbo S Exclusive Series, lui je ne le connais pas, dans la Ferrari que je ne connais pas, et tout devant, là-bas, qui tourne, la 275 GTB4 de Matthew. J'aimerais beaucoup filmer, mais comme c'est une petite route le long de la flotte, et que c'est une petite route et que j'ai une voiture qui est beaucoup trop grosse pour ça, et ben, je ne sais pas si je vais pouvoir faire du contenu. C'est pas joli de rouler comme ça avec tous les petits camarades? Regarde-moi ça. La route nous appartient qu'à nous. C'est beau. Hein? C'est beau. Présente un peu tout. Un clagé bien Miami. Une 911 champion. Et des Ferrari élégantes. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est joli tout ça. Il fait très brumeux, je sais pas si tu le vois. Mais là, il y a un énorme caillou géant. Ça s'appelle Morro Bay et c'est un caillou géant qui est dans l'océan. Là, c'est dans la flotte. Hein. Je te fais des inserts pour que tu comprennes bien. Parce que ce truc est dans l'eau. Très compliqué, ça ne se fait plus qu'une seule bande. Petit arrêt glou-glou obligatoire. Donc, petit insert sur la Exclusive Series avec du carbon fibre partout. Elle n'a pas les jantes en fibre de carbone. Drew, c'est une erreur. Le toit étant en fibre de carbone. Tu as aussi le capot avant qui est en fibre de carbone. Tu as ici la plus belle de toutes les beautés. Je vais vous poster assez simplement sous peu une très très belle vidéo que j'ai fait avec cette automobile-là. Regarde-moi ça, quoi. Ça, c'est une caisse. Ça, c'est une caisse, quoi. Et où est la... Ah, et l'autre, il est là-bas. Ah, et regarde un peu ce qu'on voit en plus ici. Regarde cette élégance. Petit morceau d'anus. Ah, it's my favorite angle. Regarde-moi ça. Ça, c'est une auto. Hein. C'est ce Ferrari. C'est génial avec les bougies de... Tu as vu? T'as des bougies de remplacement ici. Très joli, ça. Très de beauté. Voilà. T'as vraiment deux équipes. J'adorais vous filmer quelque chose, hein, mais avec toute cette brume, brouillard, fog, on voit rien. C'est triste, hein? Que de beauté ces paysages. Et là-bas au loin, regarde-moi ces véhicules de rêve. Ce ne sont que des véhicules de rêve. Dans une beauté qui se passe de commentaires. Ça se passait de commentaires. Thank you.
n'y a rien à faire, hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Ouais, ouais. Regarde, de nouveau, ligne droite, sur ligne droite, sur ligne droite. Sauf que là, nous avons belles autos, sur belles autos, sur belles autos. Lui, il faudrait qu'il m'explique son choix de couleur, hein. Putain. Voilà. J'ai lassé, lassé, hein. C'est beau, c'est beau. Beauté du truc. Alors, je suis dans le sinueux, le plus sinueux du sinueux, donc je peux pas, voilà, je peux pas. Mais comme ça, tu as quand même un petit instant de grande beauté. Bon, ce qui est bien, ce qui est pas bien sur cette route, en fait, c'est comme c'est quasiment impossible de doubler. Et bien, quand il y a du trafic, tu peux profiter de la vue. Voilà, c'est très joli. Et en plus, non seulement avec le G, c'est impossible de suivre quoi que ce soit, tellement le truc est lourd et l'inertie, machin, ils sont avec des vraies sportives. Mais en plus, il y a les travaux qui fait qu'il y a une bande qui est fermée, donc on doit attendre. Par contre, ce qui est très sympa, je sais pas si tu le vois ici, c'est qu'en fait, on roule au-dessus des nuages. C'est au-dessus des nuages. C'est assez joli, ça. Voilà. On attend. On attend. Moi, quand j'attends, ça fait Jonathan. Regarde encore une fois, que de beauté. Admire l'océan, les nuages, cette vue à perte de vue. Oui, tu peux avoir une vue à perte de vue. C'est-à-dire que tu vois jusqu'à ce que là où tu ne vois plus. C'est donc une vue à perte de vue. Et tout de suite, 7 secondes après, nous sommes dans Big Sur, qui est aussi un très grand parc national très connu. Big Sur, voilà. C'est quand tu es très sûr de toi, tu es à un Big Sur. Alors, c'est quand c'est très suré. Si tu manges, par exemple, une mûre très sûre, ben alors c'est Big Sur. Voilà. C'est joli, hein, l'Amérique. Voilà. Voilà, voilà, dans le parc de Big Sur. Donc on a quitté les grandes falaises dans la brume pour se retrouver dans des superbes forêts. On arrive quoi vers le... On a dépassé le milieu de la Californie là, je pense. Donc on commence à attaquer un peu le nord. Mais ce n'est pas la fin du nord. Le nord... Je sais pas, j'ai plus de blague. Là, j'ai faim, j'en ai un tout petit peu marre. Le trafic est vraiment chiant sur cette route. Parce que bon, tu vois, t'as quelqu'un qui va rouler super calme et tout, genre 45 km/h. Ok, très bien, mais le problème c'est qu'alors... Tout le monde roule à ce rythme-là, quoi. Ce qui est parfois un tout petit peu... Voilà. Hein? Et après Big Sur, on retrouve ce paysage typique de Californie avec une très très belle C8 torche raide. Et là-bas, tout au bout, ça c'est une possibilité pour moi de maison. Je vais là-bas et voilà. Je vais tout en haut dans la tour, prends un fusil et je tire sur le facteur. Ah, regarde, je me fais doubler par une MX-5. Ça veut tout dire. Je te demande, est-ce que tu crois qu'il y a assez de feu? Viens, on les compte. 1, 2, 3, 4.
Et alors, regarde ce merveilleux petit véhicule. On dirait un peu quoi, c'est une Colorado, une Sirocco. Elle est débadgée, hein, attention. Débadgée. Avec en plus une plaque vintage, un peu de rouille. Très, 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 très classe. Hein. Vas-y, on joue à un jeu. Mets-moi en commentaire ce qu'est ce beau véhicule. Et nous voilà arrivés à Carmel by the Sea, où nous sommes accueillis en direct par une GT3 RSI. Bon, ça c'est vrai. Ouais. Regarde-la, tout discrètement, mais je la verrai pas, elle était se cachée. Regarde-moi ça, 997 phase 2 GT3 RS. Et nous voici donc dans le centre névralgique de Carmel, au Gateway, qui est un petit boutique hôtel très mims, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont déjà venus, ils vont reconnaître. Hein. Et alors, je l'ai vu ici, est-ce qu'elle est encore là? Oui, est-ce que je peux zoomer jusque-là? Ici, c'est quoi, DB2 cabriolet? On dirait une DB2 cabriolet, non? Qu'est-ce que tu en penses, mon biche? On fait un peu le car spotting. Hein. Oh, wow. Regarde comme c'est moche. Regarde comme c'est moche. Ça, quand t'as aucun goût. Regarde ça, si c'est pas que des cools. 911 avec le tulle sur le toit. Ici, je dis pas de tournée, je crois que c'est une Pantera d'Etomazumabe. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, là-bas, il y a une Lexus, allez, la décapotable V8, là, la 500. On est bien ici, hein. C'est génial, Carmel. Et sinon, on en parle du côté extrêmement... genre, on dirait Disney. Après, il y en a qui chauffent aussi. Hein. C'est une question de bon goût et de mauvais goût. Il s'est pris une amende pour mauvais goût, lui. C'est drôle, non? Et alors, non seulement ici, petite Lotus Evora très sympa, mais surtout, l'ultime japonaise presque de mérite, c'est pas une Targa. Et vous savez bien que, évidemment, aux États-Unis, ce n'est pas une Honda, c'est bien une Acura. Acura, c'est la marque de luxe, entre guillemets, de Honda aux US. Mais ça, c'est le... Top, 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 top. Quelle caisse. Quelle caisse. Avec... Ah non, ça on ne le verra pas. Généralement, il y en a énormément. C'est une mode vachement connue. Il y en a plein qui en suppriment le... Oh, comment t'appelles ça? L'isolant moteur. Et tu vois que c'est un V6 VTEC. Voilà, il n'y a pas eu que des 4 cylindres VTEC. C'est joli l'intérieur, comme ça. Je suis déjà rentré là-dedans. Je crois que si tu regardes dans mes, sur mon Instagram, dans mes IGTV... Je fais un essai de ça et je me mets derrière parce que je suis drôle comme mec. Ouais, ça va être une sacrée, ça va être une sacrée vidéo, ça je vous le dis. Hein. Quelle caisse. Quelle caisse. Et ici, caché, une petite AMC AMX. Voilà. Petite AMC. Regarde-moi cette bombe que ici. Ça c'est beau, hein. Alors là, il est en train de se passer un truc, les gars. Il se passe un truc. Si ça, c'est une vraie... Non, c'est un tuning. Ça, c'est un tuning. Hein. C'est un tuning avec le petit logo S qu'il a mis derrière. C'est un tuning. C'est pas possible autrement. Tu vois. Ça, c'est donc une 964 Speedster de 94. Et le mec s'est chauffé. Il a commandé un white body chez Porsche et en avant. Bon, après, c'est ce qu'il raconte. Hein, on ne saura jamais. Mais... Très. Alors juste là, ici, je n'arrive pas à l'avoir, il y a la P1, et là, petite la Ferrari coupée, tranquille, pendant que t'es au resto. Alors, tu la vois pas là-bas? Non, tu la vois pas. Petite Carrera Aerokit, ma biche, c'est une GTS, avec l'option Aerokit, qui est donc une option, un aileron de GT3, il y a une face avant un peu plus, voilà. Et voilà, ici une petite roof CTR. C'est un yellow bird. Alors on reconnaît toujours les roofs au fait que si vous regardez bien, tu vois au-dessus de la vitre passager, la custode arrière, il n'y a pas de gouttière. Il n'y a pas de petite gouttière pour faire passer l'eau. Ça c'est typique roof. Alors on va voir qui sort de là. Est-ce que c'est une star? Oh, yeah, Oh. So that is one of the actual.
Et là, petit Monza. Ferrari Monza. Cobra. J'ai raté la Cobra. Je rate tout. En fait, le problème, c'est que je vois la voiture arriver genre de là, et le temps que je sorte mon téléphone et que je commence à filmer, elle est partie. Je rate tout, les gars. Je suis désolé. Je crois que j'ai vu l'aileron d'une Murcielago SV juste là. En plus, tu vois les gars. Ouais. Ah non, c'est une Performante. Merde. Bon, c'est une chouette caisse, hein, mais bon. Et là, ici, petite Ford GT en orange. Petite Ford GT V8. Suivie d'une petite F8. Avec ici, c'est quoi? C'est FF, ça, hein? Et une C63 édition, je sais pas quoi. Très 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 bien pour faire du car spotting ici. Hein. J'espère que vous aimez le car spotting parce que là je fais du car spotting. Et là c'est la plus belle voiture de l'histoire de l'automobile. C'est une E-Type Cabrio. Qu'est-ce que j'aime ça. Et regarde tous les petits car spotters qui sont là ici dans le brouillard à espérer voir des autos. Et là, petite Volvo P1800. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis amoureux de cette voiture de dingue. C'est tellement joli. C'est Simon Templar qui roule avec ça, non? Dans le sein. Et là-bas, Pan 177, ma biche. Tranquille, au calme, garé, relax. Petite SF90 en purple, ma biche, avec la plaque Tifosi. Terrible voiture, malheureusement, c'est trop de performance et pas de ressenti. C'est ce que tout le monde me dit, en tout cas, enfin tout le monde, mes grands copains ferraristes. Genre, c'est le truc qui avance le plus au monde, mais tu ressens rien. J'ai oublié de vous faire une vidéo de fin, donc je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, matin, bon goûter, peu importe ce que vous faites. Et on se voit demain pour le premier événement de Car Week. Voilà.